Depuis près de 9 ans, les magasins monégasques sont passés à l'heure d'été et sont autorisés à ouvrir le dimanche, en juillet et en août. Pour cela, une démarche simple, demander une autorisation auprès de la direction du travail. La principauté compte 1300 commerces et avec l'essor des croisières, l'arrivée massive de touristes chaque été, l'ouverture des magasins le dimanche est un véritable plus pour les commerçants, même si quelques contraintes subsistent. C'est un avantage pour le client et je pense que c'est l'image que Monaco veut donner à travers les dimanches. Il faudrait que tout le monde soit ouvert. Dans la théorie, c'est beau. Dans la pratique, concrètement, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez deux employés qui vous tiennent le magasin 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, c'est impossible. C'est compliqué. Et embaucher du monde pour ne pas faire plus de chiffre d'affaires ou avoir un report de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Donc il faut trouver un compromis, mais il faut aller vers ça. C'est évident que la tendance est là. C'est comme être ouvert entre midi et deux. C'est la clientèle qui demande ça, donc c'est important. L'enseigne Villeroy et Bock, connue pour sa porcelaine, est implantée depuis septembre 2013 rue Grimaldi. Le magasin a ouvert tous les dimanches de juillet, un moyen de faire connaître la marque. Les gens sont très contents, juste les Monégas déjà, qu'on soit ouvert, parce que c'est vrai que c'est un quartier qui a besoin de beaucoup de dynamisme. Et du coup, on a fait l'essai pour cette année. On refera sûrement l'année prochaine parce que ça a été plutôt bien et on a eu pas mal de monde. Donc pour le mois de juillet, en tout cas, on est content. Même son de cloche chez Zeg et Serlati. La marque possède 5 magasins en principauté et plusieurs sont ouverts le dimanche depuis de nombreuses années. Et les clients répondent présents. Ils peuvent venir le dimanche et acheter le lundi ou le mardi ou le mercredi. Donc il faut le voir dans la globalité. Donc pour un commerce, plus les magasins sont ouverts, mieux c'est. Plus d'attractivité par rapport à la clientèle, donc positive. L'ouverture des magasins le dimanche favorise aussi l'attractivité de la principauté. Le commerce représente d'ailleurs 12% des revenus nets de l'État.